Bon, et bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir au GUL et à l'EPIA à Genève. Je m'appelle Bernard Dugas, j'ai une formation d'ingénieur dans le domaine intelligence artificielle, donc assez informatique et télécom. J'ai passé 10 ans dans une société d'aéronautique. Après, j'ai passé 10 ans pour développer les opérateurs locaux d'Internet en France. En particulier à l'époque où le Wi-Fi n'existait pas, était interdit parce que ça perturbait les missiles et les chars français, enfin, toutes les bonnes excuses pour interdire la concurrence à France Télécom. J'ai aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui était fibre optique, typiquement le projet de fibre optique qui est dans l'Ain, où dans l'Ain maintenant il y a une fibre optique dans chaque maison. C'est moi qui l'ai lancé en 2001, à l'époque, en allant voir les sénateurs. Qui ont compris et qui ont financé ce développement, comme au début du siècle, du 20e, ils avaient financé l'électricité. Parce qu'il faut voir que les poteaux électriques et tout le réseau électrique appartient aux communes, pas EDF en France, comme les SIG à Genève. Donc. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes monétaires, et en particulier d'un système monétaire équilibré, qui fait une différence avec les systèmes monétaires actuels où vous pouvez voir tous les jours demander aux Grecs ce qu'ils en pensent, qu'on a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, mais quoi? Ben disons que la conclusion à laquelle j'arrive après quelques années d'études du sujet, c'est que on vit sur un mythe. On est comme à l'époque où tout le monde pensait que la Terre était plate, et puis... quand on arrive aux extrémités de la Terre, on dit « Ah, là, c'est la crise ». Mais en fait, est-ce que c'est une crise ou est-ce que c'est le fonctionnement normal du système? Et actuellement, on arrive plutôt à la conclusion que c'est le fonctionnement normal du système d'avoir des catastrophes récurrentes tous les 50 ans ou tous les 60 ans. Donc, on va essayer de présenter ça. Et le premier point, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient que votre comptabilité monétaire, c'est pas vous qui la faite. Comme les entreprises, on reproche aux entreprises de délocaliser, c'est-à-dire en gros d'aller faire les fabrications en Chine, pour résumer. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez délocalisé votre comptabilité monétaire? A priori, vous savez tous compter. Faire une addition, une soustraction, de temps en temps un pourcentage, on sait tous le faire. Et puis, notre smartphone sait le faire encore mieux que nous. Donc, pourquoi aller confier la gestion d'un compte à une banque? On saurait le faire. Et est-ce qu'il y a une loi, d'ailleurs, qui vous interdirait de le faire? Non. En fait, je vous confirme. Il y a une loi qui interdit de percevoir un salaire en cash, tout à fait. Tout à fait. Mais ce moyen, rien ne vous interdit que ce moyen électronique soit dans votre smartphone. L'idée d'un système monétaire équilibré, c'est que chacun gère son propre compte. Chacun gère son propre compte et gère ses additions, ses soustractions, ses ventes, ses achats, où on va voir autre chose. Et le but, c'est de rétablir l'équilibre. En étant local, le plus local possible. Et vous allez voir toutes les conséquences de cette proposition. Donc voilà, ça c'est un logiciel qui est en cours de développement. Il sera disponible d'ici la fin du mois sur un site web et sur votre portable aussi. On va en train de préparer une application. Et c'est tout simple. Jusqu'à maintenant, vous pouvez... Donc je vais être assez rapide là-dessus. L'idée, c'est que on démarre avec un compte qui est à l'équilibre. On démarre à zéro, comme tous les comptes bancaires, vous me direz. Oui, jusque-là, ça va. Sauf que sur les comptes bancaires, vous ne pouvez pas aller en négatif en général. En tout cas, c'est payant. Là, chacun a le droit d'aller en négatif jusqu'à une certaine limite. Donc il y a une limite de découvert, on dirait, dans le système bancaire. C'est plutôt ce que j'appellerais une limite d'importation. Parce que quand vous achetez, en fait, vous importez. D'accord. Quand on achète quelque chose, c'est qu'on importe quelque chose personnellement. Et quand on vend, c'est qu'on exporte quelque chose. D'accord. Et donc j'essaye de revenir au principe de base de ce qu'on fait.
Alors, ce qui se passe en plus, c'est que tous les mois, les soldes diminuent. Les soldes sont contractés autour de la valeur d'équilibre. Donc les soldes négatifs remontent et les soldes positifs descendent. Et chacun peut choisir son taux. Ici, dans l'exemple, j'ai choisi 1% par mois parce que c'est facile pour calculer. Puis ça, c'est un nombre qui n'est pas idiot. Là, évidemment, quand on est allé à la valeur d'équilibre, quand le solde est à la valeur d'équilibre, on reste à zéro. Maintenant, imaginez que je paye un loyer. Un loyer à Genève de 1460, pardon, de 1467 francs. C'est un deux. Oui, c'est pas très cher, c'est un deux chambres ici. Et donc, ben, sur mon compte, c'est un moins. Et sur le compte du propriétaire de l'appartement, c'est un plus. Jusque-là, c'est normal, c'est la base. Mais il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu qui est ici, c'est une échelle. Et en fait, ce compte où vous avez un droit au découvert, finalement, une avance personnelle, c'est une création monétaire. C'est comme une banque, en fait. En fait, c'est même plus que ça, c'est comme une banque centrale. La seule chose qui est importante, c'est qu'il y ait toujours la symétrie entre la vente et les achats. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un transfert de service, en l'occurrence, là, c'est le service de prêter un appartement. Chaque fois qu'il y a un transfert de service ou un transfert de biens entre deux personnes, deux humains, on a la symétrie. C'est la compta de base, je vais me dire. Ça paraît normal. Sauf que les banques ne fonctionnent pas comme ça, justement. C'est bien le problème. C'est que dans les comptes, dans les banques, la banque a le droit d'augmenter un compte sans que l'argent vienne de nulle part. Et c'est ça le problème dans le système bancaire actuel. On pourra y revenir. Et là, si à la fin du mois, on contracte le solde de 1%, ben on voyait que on était à moins 1467, on remonte à moins 1452. On gagne de la place par rapport à la limite du découvert. D'accord? On reviendra après là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'oxydation. Alors ça c'est le mot espagnol, ils parlent d'oxydation. En Allemagne et en France, on parlait de fonte, comme la fonte de la glace. C'est l'idée que la monnaie perd de la valeur chaque mois. Comme un bien, c'est l'entropie. C'est l'entropie en fait. Donc, tout à fait, c'est le même principe. Sauf que là, c'est inclus dans le système de calcul. Et là, pour vous montrer, je prends un exemple. Cette fois-ci, il achète quelque chose à Genève, un studio, admettons, pour 220 000 francs. Donc, il va au maximum à. Il va au maximum de la limite de découvert. D'accord? Je ne sais pas si on trouve un studio à Genève pour 220 000 francs, je ne suis pas sûr, mais bon. Voilà. Et donc le mois suivant, si on applique 1% du montant total, ça veut dire que son solde remonte de 2200. Parce que 1% de ça, c'est 2200. D'accord. Ce qui revient à dire que si on est au découvert maximum, on a un revenu de base inconditionnel de 2200. Une création monétaire, selon le sens dans lequel on le regarde. Alors non, là, il n'y a pas de minage. C'est intégré dans l'algorithme de base. Donc le minage, ce n'est pas référence au Bitcoin, j'imagine, mais. Alors en fait, là, il y a une contraction des soldes qui revient à décaler le solde par rapport à la limite. Si tu es descendu à la limite maximale, et si tu contractes le solde, bah, tu remontes. Donc ça laisse de l'espace pour acheter à nouveau. Oui, il y a plusieurs revenus de base. Voilà. Un intérêt négatif.
Ah, ce n'est pas un intérêt négatif non plus, c'est l'inverse de l'intérêt. Voilà. Alors que la grande différence, c'est que les revenus de base actuellement qui sont proposés. On va revenir après, je vais tout vous expliquer là-dedans. C'est juste la première passe. Et la compilation va être un petit peu longue. Voilà, c'est toujours difficile de savoir par où commencer. On peut rentrer dans le sujet par beaucoup de... C'est la première fois que tu la présentes. Non, celle-là, c'est pas la première fois. Alors, il y aura un livre, je suis en train de préparer un livre là-dessus, sur toute la théorie qui est derrière. Et on pourrait aussi, mais avec la caméra ça va être difficile, je pourrais aussi vous faire mimer la suite pour que vous compreniez bien, mais je vais passer directement. L'idée, c'est par une analyse des systèmes économiques, des systèmes monétaires, j'arrive à distinguer quatre fonctions. La première fonction, c'est qu'un système de comptabilité économique, ça sert à enregistrer les transferts de biens et de services. En fait, c'est une cartographie des flux économique dans la société. On voit pas la monnaie comme ça, mais... Oups, pardon. J'ai oublié de l'arrêter. Pardon, je coupe juste ça. Voilà. Le bug. Classique. Alors, c'est un enregistrement, comme le cadastre. Le cadastre, ça enregistre la propriété. Qui perdure avec le temps, tout à fait, qui a une certaine traçabilité. Et qui est entre les humains. Hein. C'est un peu comme le Bitcoin, il y a toutes les transactions depuis le début de l'existence. Tout à fait. Alors, on enregistre qui a donné quoi à qui. D'accord. Parce que finalement, le but de la monnaie, c'est quoi? C'est que si je fournis un service, aujourd'hui je vous fais une présentation, ça veut dire que je peux aller voir quelqu'un d'autre dans la communauté et dire, j'ai déjà fourni un service pour telle valeur à quelqu'un de la communauté, donc j'ai le droit de redemander à quelqu'un d'autre de la communauté, à n'importe qui dans la communauté, de redemander quelque chose d'autre pour la même valeur. C'est une sorte de principe de juste retour. Principe de toujours pour pouvoir recevoir la valeur de ce qu'on a déjà fourni. Un peu comme dans le geocaching. Et je connais pas le geocaching, mais... C'est des sortes de trésors qu'on peut trouver, il y en a à Genève, il y en a en France, il y en a partout. En fait, quand on ouvre une cache, on doit remplacer par quelque chose d'une valeur identique. D'accord. Après, il y a du in et du out, donc on peut rajouter quelque chose, faire un apport ou enlever quelque chose. C'est un stylo, on connaît que le stylo. D'accord. Et c'est forcément public, puisque si jamais je disais j'ai déjà donné quelque chose à quelqu'un et puis personne, il n'y a pas de trace, je peux pas aller. Ensuite, si je vais revendiquer pour une valeur que j'ai inventée, ça marche pas, quoi. On voit bien qu'il y a un problème. Donc forcément, il y a une publication du fait que j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Et si j'ai donné quelque chose à quelqu'un, symétriquement, la personne à qui j'ai donné, elle a reçu. Donc on voit qu'effectivement, c'est comme le cadastre et la notion de propriété, finalement, qui est forcément publique. Par contre, ça ne suffit pas de distribuer un montant, plus petit montant à plein de tout à fait. Sociétés écrans, de personnes écrans, pour ramener des fonds. Ça, on pourra rediscuter de ça après. Ça, je vous présente le principe. Mais en plus, une fois qu'on enregistre les flux économiques, donc les flux de biens et de services, on va calculer le déséquilibre de chaque personne. C'est-à-dire pour chaque personne, combien elle a reçu par rapport à combien elle a fourni, combien elle a importé par rapport à combien elle a exporté. C'est la balance commerciale. On l'appelle la balance commerciale. Mais c'est appelé comme ça depuis assez longtemps. Disons que ça fait quelques milliers d'années. Et ça reste dans le langage. Hein. En France, on dit le solde, mais en anglais, dans beaucoup de langues, on parle de la balance.
si on imagine, on visualise les choses, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est comme si chacun avait une balance. D'accord ? On part tous d'une situation à l'équilibre. Puis, il y a un transfert entre ces deux personnes. Celui-là exporte quelque chose vers celui-là. Donc, les deux balances se baissent d'un côté, mais l'inverse l'une de l'autre. Ce qui veut dire que la somme des deux est toujours à l'équilibre. D'accord ? Et puis, pour un deuxième transfert, cette fois-ci, c'est celui-là qui exporte vers celui-là. Et donc, cette balance revient à l'équilibre et celle-là prend des équilibres. D'accord ? Donc, c'est comme si on avait un milieu homogène dans une situation d'équilibre et puis on va créer des déséquilibres locaux qui se compensent les uns les autres. Exactement. Exactement. Ça, au niveau de la physique, on peut faire plein d'interprétations amusantes parce que si vous parlez de la création spontanée de paires de particules dans le vide en physique quantique, on est là. On peut représenter ça d'une autre manière. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec des comptes ? On simule numériquement des balances. D'accord. Et d'ailleurs, même dans les comptes, avant qu'on invente les nombres négatifs et les zéros, les comptes avaient bien deux colonnes, les crédits, les importations, et les débits, les exportations. Donc là, si par exemple, il y a trois personnes, on voit bien qu'on maintient l'équilibre est là, on a quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous, d'accord, on a une symétrie. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la position d'équilibre à zéro. Parce que si on ne met pas la position d'équilibre à zéro, et c'est le cas des comptes bancaires aujourd'hui, la position d'équilibre, on ne la connaît pas. On connaît simplement la position en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. En termes mathématiques, on a fait un changement de repère, un changement de référentiel. On a changé l'origine de la mesure. C'est pas grave, tant qu'on le sait. Le problème, c'est qu'on a juste oublié de nous le dire. Il y a un changement de repère sans qu'on soit prévenu. Ce qui fait que maintenant, si on dit que le 0, c'est le fond de la mer, et ben, le niveau de la mer, il est à la position d'équilibre, il est ici, on a bien toujours la même information, mais on ne part pas du même 0. Simplement, quand on met le 0 au fond de la mer, c'est quelquefois plus dur de mesurer la hauteur des vagues. C'est plus simple de mettre le 0 là, au niveau de la mer. Là, le dessin est un peu plus gros. D'accord. Est-ce que ça a changé l'information? Bon, je vous fais, pour les gens qui ne connaissent pas trop la notion de mesure, la notion un peu abstraite, c'est pas parce que j'ai changé la taille du dessin que j'ai fait un zoom, que j'ai augmenté les chiffres ici. Tout à l'heure, il y avait 0, 2 et 3. Maintenant, il y a 0, 2000 et 3000. On n'a pas changé l'information, c'est juste une question d'échelle. On est d'accord, c'est un zoom. Et puis là, ben, vous pouvez tourner la tête. Oui, c'est bien toujours le même dessin, mais on a juste changé le sens. Chance positive, le sens négatif. Le côté positif, côté négatif, a changé. Mais c'est toujours la même information. On est tous habitués à compter avec la monnaie, à compter la monnaie. D'accord ? Mais quand on fait un inventaire dans la comptabilité, on compte à l'envers. Par contre, souvent, ils exploitent les graphiques, les échelles des graphiques, pour faire croire certaines choses qu'au final, sur un graphique normal, on s'interprète. Eh bien, souvent, dans la pratique commerciale, les graphiques sont exploités de telle sorte qu'on ne voit pas les positifs. Demandez-vous pourquoi toute la monnaie est présentée à l'envers des flux réels. Ça, psychologiquement, ça a un sens. Ça change la... C'est comme dans un tour de magie. Qu'est-ce que c'est le travail d'un illusionniste? C'est changer la tension. Je vais y revenir après, on va le voir vrai. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que sur le même schéma, pour reprendre le même schéma, on peut changer l'origine, on peut changer le zoom, on peut changer le sens. C'est les trois choses qu'on peut changer sur un référentiel pour une mesure physique. Voilà, pour le moment. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la comptabilité monétaire et dans la monnaie, qui sont en fait non pas les fondements de la mesure qu'on veut faire, c'est-à-dire la mesure des flux économiques, mais qui sont juste les changements de l'apparence de la présentation de la mesure.
qui sont juste l'affichage, quoi. Et il faut, au moment, au bout d'un moment, il faut s'en rendre compte. Troisième fonction, et là c'est plus seulement, ça veut dire que le système de comptable n'est plus seulement un système de mesure, où la mesure perturbe le moins possible la chose mesurée, le système mesuré, mais là ça devient un système de jugement. Et c'est assez facile. Si j'ai pas de monnaie dans la poche, je peux pas acheter mon billet de bus. C'est-à-dire que si j'ai pas la monnaie, on me refuse l'accès à ce que je voudrais importer, à ce dont j'ai besoin. Si j'ai pas de monnaie, je peux pas vivre. On en est là aujourd'hui. Si j'ai pas d'argent, je peux pas manger, je peux pas dormir, je peux rien faire. On peut même plus. Ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté social de la monnaie est devenu quelque chose de très fort. Maintenant, c'est plus la partie électronique, j'ai l'impression. On dépend plus de des moyens électroniques que de la monnaie. Derrière, il y a quelque chose de plus profond, c'est pas seulement l'électronique. Et notez bien que si tous les comptes démarrent à zéro, et qu'on n'a pas le droit de descendre en dessous de zéro, comment on commence ? C'est une question de bootstrap, ça. Hein ? Si tous les comptes sont à zéro, d'accord, on prend tous les comptes bancaires, on démarre tous à zéro, à égalité à zéro. Qui est-ce qui peut commencer à acheter ? Non ? Puisque tous les autres sont à zéro, donc personne ne peut acheter. Non, non, puisqu'ils sont tous les deux à zéro. Si le système monétaire fonctionne aujourd'hui et qu'on est tous à zéro, tous ceux qu'on connaît sont à zéro, enfin, a priori, quand vous ouvrez un compte, vous êtes à zéro, moi aussi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pu commencer pas à zéro. Forcément, c'est mathématique. Oui, mais ça, c'est de la monnaie. Ils ont décidé d'imprimer tel nombre de monnaies. Il y a des gens qui ont créé la monnaie. Voilà. Et ces gens-là, c'est pas les billets. Ça n'a pas commencé avec des billets. C'est la création monétaire des banques, tout à fait, pas seulement les prêts. En tout cas, dans le système actuel, mathématiquement, il y a des gens qui ont le droit de créer de la monnaie et d'autres personnes qui n'ont pas le droit. Et la majorité des gens n'ont pas le droit. Là, c'est pas dit. Quand j'ai eu mon manuel d'économie à l'école, on m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit qu'il y avait des gens qui avaient le droit de créer la monnaie, en fait. Ça se discute. Justement, ça se discute. Alors, donc là, il y a la démonstration, mais je vais vous la passer. Mais mathématiquement, c'est simple. Donc en fait, on a deux classes. Aujourd'hui, on a deux classes de personnes dans la société. Il y a ceux qui ont le droit de créer la monnaie et ceux qui n'ont pas le droit. Ça peut être des groupements de personnes, tout à fait. Alors justement, c'est pas des personnes morales, parce que et c'est pas des personnes du tout. Ça n'existe pas. Non, mais alors ça c'est faux, ça. On pourra en reparler, mais c'est faux. Les banques centrales créent les billets, mais les billets avec quoi vous les achetez? Avec la monnaie bancaire. Non, c'est pas le mécanisme du prêt. Le prêt, c'est seulement, si vous prenez le bilan des banques suisses, par exemple, les prêts, ça représente même pas 50% du bilan. Et tout le reste, c'est quand même de la monnaie. Donc le prêt, c'est une partie de la création monétaire. On pourra en reparler encore. Et donc, si nous ne voulons pas qu'il existe deux classes de personnes, mais il faut que chacun ait le droit à un découvert. Mathématiquement, c'est ça. Dans le système que j'ai présenté, où chacun aura un compte qui commence à zéro, il faut que chacun puisse descendre en dessous de zéro. Après, de combien ? Toute la question. Mais il faut que ça soit non zéro. D'accord. Sinon, on n'a pas l'égalité entre les personnes. Et ce n'est pas seulement un problème d'égalité morale, c'est un problème de système de mesure. C'est-à-dire que les mesures qu'on fait ne sont pas par rapport à la même échelle, et donc ce n'est pas une mesure. En tout cas, ce n'est pas une mesure valide au sens de la métrologie.
personne avant qu'elle rentre dans le système. Non. C'est comme si... C'est basé sur... C'est comme si vous me disiez, pour la température, l'échelle de la température dépend-elle de la... Enfin, la mesure de température, ou l'échelle de la température va-t-elle dépendre de la chaleur qu'il fait dans un pays ? Comment gérer la différence de niveau, de nombre de référentiel entre les différents pays ? Parce que... Ça, on va le revoir. C'est l'échelle que je vous ai présentée tout à l'heure. On sait en avec la température, par exemple, si vous avez l'échelle Fahrenheit et l'échelle Celsius, il faut ajuster les deux échelles. Et c'est pas parce que en Fahrenheit le chiffre va être plus grand que la température ou l'énergie, en fait, indirectement mesurée par la température, va être plus grande. Tout doit être ajusté en fonction de l'échelle de mesure. Mais là, c'est pareil, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'égalité quantitative entre les personnes. Quel que soit le pays, c'est le but. Enfin, un pays, je ne sais pas ce que c'est en fait. Là, je parle des personnes et les personnes ont des comptes. Chaque personne a des avances, d'accord. Et si, par exemple, vous choisissez dans la partie gestion du stockage des données, je choisis d'avoir 1000 unités et que vous choisissez d'avoir 1 million d'unités, il faut que je trouve un moyen de que c'est mon 1000 ait la même valeur que votre million. C'est un changement d'échelle. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si tout est un peu égalisé au niveau global, et qu'un tel système déconne au niveau planétaire, il reste des différences au niveau régional de l'utilisation concrète de ce système. Attention, ça c'est un système de mesure. C'est comme si l'idée, c'est qu'on sache, on précise, on déclare, quelle unité de mesure de température on utilise ? En l'occurrence, quelle unité de mesure de flux économique on utilise ? Après, on tient compte, chacun, on peut déclarer, si je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais rencontré, ce qui est le cas, j'ai choisi mon unité de mesure indépendamment de vous. Donc la probabilité pour que les deux choix soient les mêmes est quand même très faible, donc forcément, il va falloir qu'on se mette d'accord. Donc il faut qu'on établisse un protocole. Et le système monétaire équilibré, c'est un protocole, en fait, d'ajustement des mesures économiques. Au passage, justement, vous parlez d'entreprises. Les entreprises ne sont pas des êtres humains. Une entreprise, c'est une création de notre esprit. Ça n'existe pas. Ça n'est pas vivant. C'est juste une marionnette. C'est pas tangible, effectivement. En tout cas, c'est pas dans la déclaration des droits de l'homme. Il y a la déclaration des droits de l'homme, pas la déclaration des droits de l'homme et de l'entreprise. Donc les entreprises n'ont pas de droit normalement. Non, le fait qu'une entreprise puisse être tribunal, ça n'a pas de sens. C'est une religion, ça. Si les gens... Parce que toute la question après, c'est comment on communique avec une entreprise. Par télépathie, enfin. Je crois que vous avez dû inviter tout le monde. C'est le fait de mettre en commun. C'est pas la question ce soir, mais je crois pas, mais ça c'est lié à l'évolution. Et à un moment donné, on a vu centré sur les êtres humains, puis le commerce il a augmenté, ils ont fait des lois qui ont évolué. C'est plus que l'évolution, on verra tout à l'heure que c'est un mode d'exploitation plutôt. En tout cas, si une personne, une entreprise avait accès au crédit, alors à ce moment-là, le propriétaire de cette entreprise aurait plus d'avance sur la somme des deux comptes que quelqu'un qui n'a pas d'entreprise. Donc le fait de créer une entreprise, c'est une manière de détourner le principe d'égalité entre les systèmes de mesure économiques. C'est comme la loi qui a une différence entre les personnes réelles et les personnes morales, qui sont justement des personnes, je veux dire comme le droit intellectuel, c'est comme la propriété intellectuelle, c'est une propriété théorique des personnes. Sauf que la théorie, là, elle a des conséquences assez fortes. Et puis quand on dit morale, déjà, ça sous-entend que tout ce qui n'est pas personne morale ne serait pas moral. Donc ça donne le monopole de la moralité aux entreprises, qui est quand même assez... Oui, tout à fait, mais... Il y a quelque chose qui me dépassait. En général, on a besoin d'un service, il y a souvent plusieurs intervenants. Donc dans un tel système, qui va gérer le flux entre les différents intervenants et la répartition comme... À ma connaissance, les entreprises font pas grand-chose. On dit que les entreprises créent la richesse, mais c'est pas vrai. C'est bien les humains qui sont...
Voilà, donc c'est juste un problème d'organisation, c'est ça que vous soulevez. Il faut faire la même organisation qu'aujourd'hui. Il y a une transparence que, en fait, on pourrait voir sur un montant donné, disons, on commande Internet, on pourrait voir celui qui a installé la fibre, celui qui s'est fait payer, celui qui a fait ça, 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 et on aurait une traçabilité. Est-ce que tout le monde veut cette traçabilité ? C'est pas une question de vouloir ou pas vouloir, c'est le principe du système monétaire, de vouloir réclamer à la communauté ce qu'on a déjà donné à d'autres personnes et pouvoir prouver qu'on l'a bien donné. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que dans le cadastre soit publiée la liste des propriétaires des propriétés ? Mais on ne peut pas être propriétaire. Propriétaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je mets un drapeau et puis personne ne doit venir. Donc, il faut bien que je prévienne les autres que j'ai mis le drapeau. Enfin, mettre un drapeau, c'est bien prévenir les autres, c'est publier. Donc on ne peut pas vouloir empêcher les autres de venir tout en leur cachant qu'ils ne peuvent pas venir et que c'est moi qui interdis. Est-ce que ce n'est pas un peu contre un peu le commerce, la vision du commerce actuel ? Juste pour la petite, par exemple, si on achète un pull, il y a tel et tel, il y a une toute petite somme qui est pour la vraie relation physique du bien, et tout le reste, c'est des intermédiaires. Donc dans un tel système, on se retrouverait... La personne qui a payé, je sais pas, 20 francs son truc, il s'aperçoit qu'il y a plein de petits montants, et c'est un des gros montants qui vont en plein d'intermédiaires, et qu'au final, l'ouvrier, il pourra même voir le nom de l'ouvrier là-dedans, qui a fait à la chaîne son petit bout de tissu, a été payé 16 centimes. Quoi. Il y a des conséquences. Est-ce que ces conséquences, après, mais est-ce qu'on va changer la théorie parce que les conséquences ne nous plaisent pas ? La théorie, je ne l'ai pas inventée, c'est des équations physiques vraiment de base. Quoi, c'est je pense que le point qu'il veut dire, c'est que moi je comprends le champ avec l'avance, ouais. Parce que le point qu'il veut dire, c'est que si l'idée de cette manière, de tout ce que tu fais, c'est qu'on sache tout de tout, c'est pas très quelque chose qui change de l'action tous les jours. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe qu'il y a des gens qui trichent. C'est ça le problème. Oui, mais est-ce qu'on ne voudrait pas acheter quelque chose parce qu'on sent qu'on se fait avoir ? Je ne sais pas, après ça sera les conséquences, il faudra tester. L'idée c'est justement de commencer à tester, de voir d'en faire une sorte de jeu social et puis de voir ce que ça fait. Tout à fait. Les sels, par exemple. Ah oui. Il y a une partie des sels qui... Dans un sel, il y a une création de monnaie. Ou système d'échange local, ça dépend. Ou d'entraide locale, c'est mieux, je trouve. Sauf que. Ouais. Ça se fait à deux aussi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cahier d'échange, une double validation. Et il faut faire attention aux mots. Parce que la monnaie, c'est un cas très particulier de système comptable. On y reviendra. Alors là, je reviens sur l'idée de. Pourquoi 2200 ? Pourquoi j'avais mis 2200 en tant qu'échelle dans le tableau, je vous souvenez tout à l'heure ? Non, c'est ce qu'il faut pour vivre à peu près à Genève. C'est le seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté, on a du mal quand même. Et ben, 2200, c'est le seuil de pauvreté à Genève. En Suisse, en tout cas, statistiquement. C'est-à-dire, c'est le minimum pour vivre. Et si on prend le seuil de pauvreté, par exemple, en France, c'est 935, c'est moitié moins. D'accord. En Espagne, c'est dans les 600. En Grèce, c'est dans les 500. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les prix sont à peu près effectivement proportionnels au seuil de pauvreté.
c'est assez intéressant quand on le voit en vrai. C'est... Ben, par exemple, si vous regardez le prix d'un appartement en deux chambres à Genève, c'est à peu près 1500 francs. D'accord. Pour une échelle de 2200, eh ben, le prix d'un appartement de deux chambres à Lyon, c'est à peu près 600 francs pour une échelle de 900. On est à deux tiers dans les deux cas. Et si vous allez en Espagne, par exemple à Valence en Espagne, le prix d'un appartement de deux chambres, c'est actuellement dans les 400 euros. Alors, pour un seuil de pauvreté de 600, on est toujours à deux tiers. Donc ça marche pas trop mal dans beaucoup de pays. C'est un ensemble, c'est ce qu'il faut pour vivre localement. Ce dont on n'a pas besoin pour vivre, ça rentre pas dans la... Il y a des variations, tout à fait. C'est pour ça que cette échelle, elle est à négocier entre les deux personnes. À chaque fois, on peut la négocier. Si vous trouvez que 2200 à Genève, c'est si on était, je sais pas, les deux personnes qui achètent et qui vendent. On peut aller jusqu'à la transaction. On peut aller à la granularité de la transaction. Après, on ne va pas le faire tout le temps, on s'habitue localement. Mais vous regarderez, si vous testez ça, vous allez voir que ça marche assez bien. Un accord sur une durée de temps, comme on fait un certain change bancaire, où le taux est fixe pour une certaine période. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant surtout de voir, c'est que cette échelle, donc oui, elle est négociable entre chaque personne, mais en fait, les variations de l'échelle, c'est-à-dire une erreur sur l'échelle, c'est pas très grave par rapport aux erreurs qu'on a aujourd'hui sur l'estimation de la valeur de les monnaies. Et on sait, il y a même maintenant des procès qui les banques s'étaient entendues pour fausser les taux de change. Donc en fait, les taux de change sont complètement faux. Ça, c'est une base fondamentale pour avoir des taux de change qui soient plus, qui correspondent plus à la réalité. Il faut savoir aussi qu'un prix ne peut pas être un nombre seul. Forcément, un prix est valable dans une échelle mathématiquement. Donc le tout, c'est quelle échelle on prend. Cette échelle-là est assez logique. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas d'argent dans le système actuel, vous ne pouvez pas vivre. D'accord. Et le seuil, la limite de découvert, c'est la limite au-delà de laquelle on refuse de vous donner à manger. C'est-à-dire qu'on vous laisse mourir. Donc il faut bien que la limite soit fixée pour qu'on ne meure pas quand même, on n'est pas des sauvages. Mais on ne veut pas non plus qu'elle soit fixée trop, parce que si tous ceux qui ne travaillent pas, qui ne produisent pas dans ce cadre-là, prennent trop, il ne reste plus assez pour tout le monde. Donc, exactement. Et avec le temps, il y a justement une notion de l'évolution du taux sur les années. Tout à fait, puisque vous pouvez le négocier à chaque achat, à chaque vente. En fait, le vrai prix, c'est un pourcentage. Le vrai prix, c'est le rapport entre le prix local divisé par l'échelle locale. Donc il suffit juste de se mettre d'accord sur le vrai prix. C'est-à-dire, en gros, si j'achète cet ordinateur, ça doit représenter combien de mois de survie. Donc finalement, la manière de d'établir le prix des choses, ça sera plus ça. Souvent, dans les monnaies d'échange, il y avait un référentiel, un sac, ou un grain de riz, ou quelque chose qui fait qu'on a pu, comme par exemple le kilo, on a défini que le kilo, on a une référence kilo qui se trouve à Paris, et après, c'est ça qui fait foi. Et là, il y a la même chose, en fait, au niveau de... Il y a un référentiel dans... Et du fait que statistiquement, vous pourrez essayer de regarder dans les pays où vous voyagez, que statistiquement, on retrouve bien cette correspondance échelle des prix locaux et seuil de pauvreté, à mon avis, actuellement, je dirais comme hypothèse, qu'il faudrait vérifier, mais je dirais comme hypothèse que intuitivement on utilise déjà ça. C'est-à-dire qu'intuitivement, on compare le prix des choses à ce qu'il faut pour vivre.
Mais ça, c'est une hypothèse qu'il faudrait. Là, il faudrait lancer des travaux de psychologie. De... Par contre, ce qui est intéressant, c'est le prix pour aller en Walt Disney à Paris. Comme quoi, il était plus cher sur les sites allemands, quoi, sur les sites, je crois, allemands, suisses ou je ne sais quoi, par rapport au prix affiché en France, que selon la provenance du site de celui qui voulait acheter. Mmh. Ça, c'est bien possible. Alors, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que les monnaies, le nom des monnaies, ce n'est pas des échelles. Le nom des monnaies, c'est la garantie. C'est qui donne la garantie sur ces monnaies-là. Mais ce n'est pas du tout une échelle. La vraie échelle d'une monnaie, c'est la quantité de monnaie disponible. Et ça, ce n'est pas publié. On ne le connaît pas. Donc, on ne peut pas calculer les échelles dans le système bancaire actuel. Parce qu'on ne sait pas combien il y a de monnaie. Ben, les banques qui créent la monnaie, elles savent combien elles ont créé. Encore qu'on peut se poser la question quelquefois. Mais donc aujourd'hui, on a vraiment un problème d'échelle. Quoi. Il, en tout cas, il n'est pas, il est pas publié. On ne sait pas combien il y a de milliards de dollars. Mais est-ce que quelqu'un non. a vraiment accès à ça ou c'est vraiment calculé informatiquement au niveau des banques? Je ne sais pas. Finalement, quand on est dans un compte individuel, on se rend compte qu'une fois qu'on a fait le tour des paramètres qui dépendent de l'affichage, enfin du choix du référentiel et des paramètres qu'on utilise au niveau du stockage des données, on s'aperçoit que dans un compte, pour gérer un compte, il y a un seul paramètre intrinsèque au compte et le deuxième paramètre, c'est l'échelle qu'on vient de voir. Donc le paramètre externe, c'est l'échelle sur lequel on va se mettre d'accord entre deux personnes. Et le paramètre interne, c'est le taux de retour à l'équilibre. C'est-à-dire le taux de disparition de la monnaie. En fait, c'est un taux d'amortissement. En électricité, on dirait un taux d'amortissement, on a un bel amortissement exponentiel. Hein, et on va dire, en gros, les dettes au-delà de 49 ans, 1% par mois, ça veut dire les dettes au lieu de 42 ans sont oubliées à 99% au bout de 42 ans. C'est ça qu'on est en train de dire, en fait. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve un mécanisme qui est décrit dans la Bible. Mais bon... Parce que dans la Bible, il y avait oui, mais c'est le mécanisme du jubilé. Mais voilà. Là, c'est une représentation de l'échelle. Si vous avez le point d'équilibre, suivant qu'on met le zéro au point d'équilibre ou le zéro à la limite de découvert, c'est-à-dire la limite où on peut pas importer plus, ben on va juste avoir un changement des nombres. Mais ça ne va pas changer la structure des comptes. D'accord ? Donc je ne vais pas aller plus loin. Typiquement, ça c'est dans les selles. On parlait tout à l'heure. On présente, on part de zéro, le point d'équilibre à zéro, on a une limite inférieure, négative. Pour les banques, zéro c'est la limite inférieure. Et on ne connaît pas la valeur d'équilibre, puisqu'on ne sait pas combien il y a une monnaie. Les flux économiques, ben on est habitué à les utiliser parce que c'est avec ça qu'on vit, d'accord. Mais ce n'est pas le plus important dans une société aujourd'hui. Le plus important, c'est décider quels moyens de production on va construire pour les années qui suivent, c'est-à-dire pour la future production. Et aujourd'hui, c'est à ça que sert la création de monnaie. La création de la monnaie, et donc l'avance dont on dispose, c'est pas seulement pour acheter aujourd'hui, c'est pour préparer le futur. On pourrait dire faire du crowdfunding. Typiquement, si effectivement chacun disposait de 222 000 francs sur son compte, ça serait quand même idiot de tout dépenser tout de suite en nourriture ou en voiture, enfin en choses qui sont pas... Donc on a besoin un petit peu, mais pas pour 220 000 francs. Et 220 000 francs, c'est pas un chiffre au hasard. Si vous prenez la masse monétaire qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire le bilan des banques suisses, divisé par le nombre d'habitants en Suisse, on arrive à 200 000 francs. C'est effectivement la quantité de monnaie que les banques ont créée à notre place, pour leur propre usage. Et donc l'idée aussi, c'est que dans le système, mais ça c'est une limitation personnelle, on déclare un compte de gestion, quoi, un compte sur lequel il n'y a pas de crédit supplémentaire, mais sur lequel on s'astreint et on fait un transfert du crédit total initial et on ne peut utiliser ça que pour investir dans les projets locaux et pas dans mes projets. Par exemple, si moi j'ai 200 000 à investir, j'ai pas le droit de les dépenser pour mes projets à moi, je dois les dépenser pour un projet de vous.
En fait, je deviens membre du comité de crédit d'une banque. Je deviens banquier. Tout le monde devient banquier. Et c'est pour ça le titre de la présentation, c'était 7 milliards de systèmes monétaires pour 7 milliards d'humains. Non, il n'y a pas besoin de système central, justement. C'est peer-to-peer, pair-à-pair, citoyen à citoyen, humain à humain, en fait. Et ce qui est fabuleux, c'est que... Parce que ça, c'est pas une invention, c'est juste que je me suis rendu compte que ça fonctionnait comme ça. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas inventé. Parce que là, ça décrit aussi le principe d'être chez les banques quand ils font un prêt, parce qu'ils inventent bien une monnaie de nulle part, quand ils disent « je te prête 200 000 francs ». Ou quand ils achètent quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. L'idée, là, c'est que de bien se rendre compte qu'une partie de la monnaie, la première fois qu'on utilise la monnaie, c'est-à-dire qu'avant que la monnaie représente un travail ou un bien, la monnaie ne représente rien. Et la première fois que le billet est utilisé, il n'a pas servi avant à quelque chose. Il n'a pas servi de témoin du travail de quelqu'un. La première fois, c'est un bulletin de vote. La première fois qu'on crée de la monnaie, c'est un bulletin de vote. Et celui qui va décider à quoi on consacre cette monnaie, il va décider de l'avenir du pays. Et aujourd'hui en Suisse, il y a 283 banques, ça veut dire qu'il y a à peu près 500 personnes qui décident de à quoi sera utilisée la création monétaire du pays. Et c'est pas n'importe quoi, hein. Il faut voir qu'en 2012, par exemple, la création monétaire en Suisse, c'était 50% du PIB. Sur 600 milliards, il y avait à peu près 300 milliards qui venait de la création monétaire. 200 milliards de création monétaire brute et 100 milliards d'intérêts sur la création monétaire. Ça veut dire aussi que les banques ont payé 50% du travail des Suisses. Ou ça veut dire qu'on a tous travaillé à 50% pour les banques. Sachant que les impôts en Suisse, ça représente 60 milliards. Ça veut dire que les banques ont créé pour 300 milliards, alors qu'on a payé en impôts seulement 60 milliards. Ça veut dire que les banques prélèvent un impôt privé qui est beaucoup plus grand que ce que prélève la Confédération. Quand on se rend compte des chiffres, au début, ça fait un choc. Hein. Je suis désolé si je vous crée un choc. Mais... C'est directement eux. Non, ils ne rendent aucun compte. Il n'y a aucune loi qui définit ça, en fait. Et donc, ils ne rendent pas compte. Puisqu'il n'y a pas de définition de... Ils ont des obligations d'État ou d'autres choses, oui. Des actions et compagnie. Pas de valeur. Hein? Non, ils ont certaines contraintes, mais c'est eux qui les ont choisies pour qu'elles ne soient pas efficaces, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cacher la crise? Mais après, on pourrait revenir aussi sur le sujet, mais là, j'essaie de vous présenter la solution, quoi. Partir sur la notion de personne morale, puisqu'ils travaillent pour leur propre survie. Exactement. Et donc, finalement, l'érosion, la fonte, l'oxydation des comptes, on le voit comme oxydation quand on est dans ce système-là où la limite est fixe. Mais si on le voit dans l'autre sens, où en fait l'oxydation c'est une augmentation de la limite tout en gardant les soldes fixes. C'est-à-dire qu'il y a une notion de relativité là qu'il faut se mettre dans la tête. On peut voir les choses de plusieurs manières différentes. Est-ce qu'on est dans le train qui bouge ou est-ce qu'on est en train de voir le train bouger en étant sur Terre? À l'intérieur, on a vraiment des choses à l'intérieur du système. On a vraiment des choses. J'aurais pas le temps d'aller plus loin ce soir, mais c'est quelque chose d'assez assez beau en termes de physique. Hein. Voilà. Tout à fait. Et on revient à l'équilibre. C'est le principe économique de base. On doit tendre vers le zéro. On doit tendre vers l'équilibre. On doit revenir vers l'équilibre si on a un système potentiellement instable. Est-ce qu'on peut voir ça comme la solidarité, dans le sens où celui qui a accumulé la richesse, automatiquement, on va arriver à faire la solidarité, mais celui qui en a acquis la richesse. Alors, c'est sûr, c'est une certaine solidarité, mais c'est aussi le fait que c'est l'entropie, quoi. C'est les frottements, c'est les pertes,
ça existe en physique, c'est même pas moral, quoi. Ça, c'est pas une question de morale, c'est une question de fonctionnement du système. En électricité. Voilà. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est que quand l'eau retombe, c'est distribué sur tout le monde. C'est ça. Ça va pas juste sur une petite partie de la population, sur 500 personnes. on peut aussi le voir comme le principe. Vous savez, à la Renaissance, ils ont introduit le principe de la perspective dans les peintures, dans les dessins. Mais en fait, c'est une perspective temporelle. C'est-à-dire que ce taux d'oxydation, ça revient à dire que tout ce qui est ancien, on le voit plus petit. C'est mathématiquement, c'est comme ça. C'est comme les notes d'élèves, tout ce qui est ancien, on l'oublie, quoi. Donc il y a plusieurs manières de voir les choses. Et alors, ce qui est amusant par rapport à la physique, c'est que tout le monde va aimer. Par rapport à la physique, c'est que la vitesse d'oxydation, donc le taux de retour à l'équilibre, c'est l'analogue de la vitesse de la lumière. Voilà, et alors c'est là que je voulais, tout à l'heure on parlait de monnaie un peu indifférent, mais j'essaye de faire attention de ne pas employer le mot monnaie. Parce que la monnaie, c'est spécifiquement quand on compte avec des jetons. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'écriture, on n'a rien. Et en fait, l'écriture comptable a été inventée bien avant la monnaie. Chez les Sumériens, par exemple, quasiment 80% des tablettes qu'on retrouve, c'est des tablettes comptables. On disait, un tel a donné tant de sacs de blé à un tel, une autre personne a donné des vaches à un tel, enfin bon... C'est la comptabilité. Et c'est eux qui ont inventé. Ils ont inventé l'écriture pour pouvoir compter, pour faire la comptabilité économique. Mais en moins 700 avant Jésus-Christ, en Grèce, justement, il y a des gens qui ont commencé à inventer les pièces, les jetons, compter avec des jetons. C'est-à-dire que, pourquoi on comptait avec des jetons? Ben, c'est les gens qui ne savaient pas écrire, compter avec des jetons. C'était plus pratique pour mettre les gens en esclavage. Mais c'était beaucoup plus subtil que ça. C'est là qu'a été inventée la notion d'État pour prélever des impôts, pour obliger les gens à utiliser la monnaie. C'est-à-dire que l'impôt ne sert pas à financer le bien commun. Ça, c'est ce qu'on nous raconte, mais c'est faux. L'invention de l'impôt, c'était pour obliger les gens à acheter aux soldats les pièces de monnaie avec la nourriture qu'ils fournissaient aux soldats. Et en fait, la monnaie a été inventée pour faire la conquête des territoires étrangers. Les Grecs ont inventé la monnaie pour pouvoir conquérir les pays autour. La monnaie est une invention militaire. Et ça a bien marché, puisque 200 ans après l'invention de la monnaie, Alexandre le Grand, c'était les ascendants d'Alexandre le Grand qui ont inventé la monnaie. Et Alexandre le Grand avait tout compris, et il a conquis quasiment la moitié de l'Eurasie. Et on est toujours sous la période de colonisation des gens qui créent la monnaie. Et c'est pour ça que je parle de monnaie féodale. Puisqu'on est exactement dans un système féodal. La monnaie ne circule pas. Alors la monnaie physique, en fait, c'est amusant parce que les jetons, c'est une simulation analogique des nombres sur des comptes. Donc c'est une simulation analogique d'un système numérique qui lui-même est une simulation numérique des balances analogiques. Donc on a... C'est les premiers, les systèmes monétaires étaient les premiers systèmes d'information des humains, et on a plusieurs encapsulations de poupées russes dans ce système-là. Mais la monnaie ne circule pas sur des comptes, puisque la monnaie simule des balances. Et là, je peux vous faire une hola dans la salle, si vous me faites une hola comme dans un stade, les bras montent, descendent, on voit une vague qui circule, mais en fait, les bras ne se déplacent pas. Le bras, il monte, il descend, il ne change pas de position dans la salle. La monnaie, c'est pareil, c'est comme les vagues. On simule avec des augmentations, des additions et des soustractions sur des comptes, on simule le transfert de quelque chose. Mais il n'y a pas de transfert. Les seuls transferts qu'il y a, c'est les transferts de biens réels. Et en obligeant à se focaliser sur la monnaie plutôt qu'en se focalisant sur les biens réels, en fait,
on oblige à se focaliser sur quelque chose qui, des nombres qui n'ont pas de valeur, comme des mesures de température, ce qui nous fait oublier les vraies richesses, c'est-à-dire notre travail. Donc en fait, on donne notre travail contre des nombres qui n'ont pas de valeur. Ça s'appelle de l'esclavage. Ensuite, comment on fait pour tricher? Parce que finalement, c'est ça. C'est, la monnaie, c'était une manière de tricher. Bah, soit on paye pas. Bon, bah, ça, c'est du vol. J'achète quelque chose et je paye pas. Ça, c'est du vol, on est d'accord. Ou alors, je fais payer, je vends quelque chose et je fais payer plus que ce que je devrais. Ou que l'accord que j'avais. Ça, c'est aussi du vol. Mais la manière plus subtile, c'est que je vais créer un faux compte. Je me fais payer par un compte qui n'existe pas. D'accord ? Aujourd'hui, c'est ça que font les banques. C'est-à-dire quand la banque va verser sur un compte d'un client pour acheter quelque chose d'un client ou pour faire un crédit à un client, parce qu'en fait, faire un crédit, c'est acheter un contrat de crédit, c'est un achat. Et bien, quand une banque paye, en fait, elle ne paye pas. C'est-à-dire le nombre, il vient de nulle part, elle l'invente. On est exactement dans cette fraude. Avec le système monétaire équilibré, on ne peut pas frauder de cette manière-là, c'est pas possible. Parce que les banques peuvent faire ça parce qu'on leur a confié nos comptes. Mais si on ne leur confie plus nos comptes et qu'on gère chacun son compte, on ne peut plus tricher. C'est-à-dire, personne ne peut tricher sur mon compte et comme je gère le compte de personne, je ne peux pas tricher sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc c'est parce qu'on gère chacun notre compte qu'on ne peut pas tricher. Non. Imparfait avec un autre où on a quand même d'autres risques. Où on est moins imparfait. L'idée c'est de là on est dans un système aujourd'hui les règles du système sont à la fois inconnues, non formalisées, non écrites, c'est même pas dans la loi, c'est nulle part. Donc les banques font ce qu'elles veulent en fait. Il n'y a pas de loi, donc elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. C'est pas interdit pour les banques de créer de la monnaie. C'est pas interdit. C'est pas autorisé non plus, c'est juste le flou artistique entretenu sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va. L'idée, c'est déjà d'avoir des règles. Ensuite, le problème, c'est de faire respecter les règles. Ok, mais on a déjà changé d'échelle. Hein? On est descendu au deuxième niveau, là. Après, il faut faire respecter les règles. Mais. Non. On pourra en reparler. Mais ce n'est pas les banques centrales qui créent la monnaie aujourd'hui. C'est ce qu'on nous a fait penser, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Mais c'est faux. C'est faux, complètement faux. J'y reviendrai à la fin. Je suis presque arrivé au bout. En plus, psychologiquement, on se fait avoir. Pourquoi? Parce que c'est jamais agréable de s'avouer à soi-même, déjà, qu'on s'est fait avoir toute sa vie. Être dans un système où on n'ose plus acheter parce qu'on sait qu'on se fait avoir en permanence et que les choses finissent. Désolé, j'ai oublié de vous poser la question clé au début. C'est si vous avez un cancer, vous souhaitez qu'on vous l'annonce ou pas? Si vous ne voulez pas que l'on annonce, il vaut mieux que je reparte. C'est ce qui est alimenté. C'est la seule chose. Oh oui, c'est la vérité. Voilà. Oui. Et sur la question de tricher aussi, c'est que au bout d'un moment, pourquoi il y a des gens qui trichent avec la monnaie aujourd'hui? C'est parce que non, c'est une question de survie aussi. Oui. Ah ben, si on n'a pas de monnaie, on vit pas aujourd'hui. Alors regardez vous entendez parler des migrants ces temps-ci. Les exubérants sont pas ceux qui font ça pour vivre. Tout à fait. Je vais essayer de finir. J'ai fini, après on reviendra sur toutes les questions. En fait, quand le système propose à chacun de pouvoir vivre déjà,
C'est-à-dire d'avoir assez à manger et assez pour se loger et le minimum, quoi. Mais pour tout le monde, les enfants compris, hein. Ça c'est valable pour tous les humains, donc les enfants compris. C'est nous qui les définissons. On n'a besoin de personne pour les définir. Mais pour tricher avec un système comme ça, bah, faut être psychopathe, quoi. C'est une addiction, après. Ouais, ça se soigne. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu, c'est un peu fort, mais ce type de communisme, ou de vouloir mettre tout le monde sur un pied d'égalité, on tue le système. Et donc en gros, pour vous, c'est communiste d'offrir une banque à chacun, quoi. Je suis plutôt à l'opposé du communisme, là. Mais c'est pas le fait de donner, peut-être, je sais pas, de créer, c'est pas le déséquilibre qui fait que ça motive. Mais là, c'est le système de mesure qui est proposé. C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'il faut donner le même thermomètre à tout le monde? Bah, si on veut faire une mesure de température, oui, il vaut mieux. Après, on peut choisir l'échelle. Là, c'est le système de mesure. C'est pas la richesse. Il faut distinguer le système de mesure de la richesse des personnes. Ça n'a rien à voir. D'accord? Bah, le cas concret... c'est que la quatrième fonction d'un système de comptabilité économique, c'est de pouvoir vérifier les calculs des autres. Effectivement, que vous vérifiez que personne ne triche. Un beau schéma synoptique pour voir comment ça marche. Un compte monétaire, c'est une boîte noire. D'accord ? On peut voir ce qui s'est passé dans... Donc on fait une demande d'accès à la base de données. D'accord ? Où on propose un nouveau transfert à enregistrer. C'est tout simple. Et puis, en sortie, on a soit la description d'un historique, si on a demandé l'historique, soit on confirme, on accepte ou on rejette. Il y a une décision. Donc c'est un système de décision. C'est plus seulement un système d'aide à la décision, c'est devenu un système de décision sur est-ce qu'on accepte ou non l'enregistrement du transfert. D'accord. Et il y a des synchronisations entre les comptes. Mais synchronisation locale, on est en peer-to-peer. Naturellement. Et ce qu'on peut dire, c'est que le système monétaire équilibré, c'est la seule solution mathématique du problème de la comptabilité économique avec limitation des découverts, avec limitation des importations, qui respecte les principes d'égalité entre les humains. Mathématiquement, c'est déjà un bon résultat. Et alors, il y a des gens qui me disent, effectivement, mais c'est un système social, enfin, communiste, social. Non ! C'est juste qu'on est dans un système tellement... perturbé, tellement déséquilibré, que n'importe quel autre système à côté paraît social. Le système actuel, il est complètement... il fonctionne pas du tout, comme on pense déjà, et puis il fonctionne en avantageant un petit groupe par rapport à tout le reste. D'accord. Mais ça a un peu toujours été comme ça, quelle que soit l'époque. Bah, depuis 2700 ans, oui, depuis la monnaie. Avant, c'était peut-être un peu différent. Et avant, ça a duré plus longtemps. C'est-à-dire que les premières traces d'écriture comptable, ça date de moins 4000. Donc de moins 4000 à moins 700, il y a plus de temps que de moins 700 aujourd'hui. Alors, je ne vais pas inventer, mais en fait, il faut, là je vous confirme, un banquier, il s'enrichit en écrivant des nombres sur le compte de ses clients. Et les nombres, il va les chercher nulle part. C'est assez fabuleux, mais c'est comme ça. Un banquier, c'est imaginer un prof d'école. On est dans une école. Hein. Puis à la fin du cours, il dit bah, « Ceux qui veulent des notes plus hautes, vous venez me voir et puis vous me versez 100 francs pour chaque note, pour chaque point, et puis voilà, je vous augmente votre note. Bah, » Un banquier, il fait ça. Un banquier, c'est ce qu'il fait. Un banquier, si vous achetez quelque chose à un banquier et que vous avez un compte chez lui, pour vous payer, il vous rajoute, ça valait, je vends un ordinateur, ça valait 1000, ok, ben je vous rajoute 1000. C'est fini. Vous demandez un crédit, en fait, il vous achète le contrat de crédit, il utilise le contrat de crédit comme un actif, entre guillemets, comme une action, enfin, il le met à son actif, et si c'est un contrat de crédit pour 1 million, ben sur votre compte, il rajoute 1 million. C'est une addition. C'est pour ça qu'on l'appelle un crédit. C'est pas un prêt. Un prêt, c'est quand, si vous me prêtez votre boîte ce soir, ça c'est un prêt, elle existe avant. Un crédit, ça n'existe pas avant. C'est juste une opération comptable. Ah, ça fait toujours ça la première fois. Non, on vit dans une illusion, quoi. Ça, je comprends bien que c'est pas du crédit, je comprends bien que
fait, quand on dit, voilà, quand on dit, enfin, sur le 10, enfin, peut-être que lui devait sortir en, et puis que sur les 9 qui restent encore sortis, il y a une demande auprès de la banque centrale pour les 9. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, il te prête 9, il te crée 9 comme ça. Oui. Et puis, par contre, il crée 10, il crée 1000 même. Ah bah oui, c'est les crises, c'est pas les crises, c'est le fonctionnement normal du système qui s'écroule parce qu'on est en train de construire une pyramide comme ça qui sur la pointe. Il n'y a pas de risque de corruption avec les arrondis aussi, style. Est-ce qu'il y a des arrondis? Comment est-ce géré les arrondis? Oui, il y a des choses à faire sur les arrondis. Ouais. Mais bon, c'est un détail à côté du reste, quoi. Oui, mais comme c'est un amortissement, c'est une disparition, c'est une érosion des détails. Ça n'existe pas, l'argent n'existe pas. C'est un système de mesure. Il faut arrêter de penser que l'argent existe. Arrêter de penser en argent. Ah ouais. C'est juste, la monnaie, c'est le cas particulier dans lequel on utilise l'axe positif pour les exportations. Mais si on utilise l'axe positif pour les importations, la monnaie disparaît. Tchit, c'est juste une illusion. Elle fait les billets et les pièces. Bah, même pas les pièces en Suisse, elle fait les billets. Les billets, mais elle les vend à qui les billets? Non, mais ça c'est fou. Ça c'est juste pour occuper la galerie, ça c'est pas, c'est un détail. Les taux ont toujours été négatifs. Pour nous, quand on prête de l'argent à la banque, parce que un compte, c'est pas un dépôt, hein, c'est un prêt. On prête de l'argent à la banque et la banque nous fait payer. Donc ça a toujours été négatif, les taux. Les banques étaient les seules à pas avoir de taux négatifs à la banque centrale. Bah, maintenant elles payent un petit peu, comme nous. Donc ça change strictement rien. C'est un détail. Ça permet d'occuper les journaux, développer des théories. Non, elle fixe pas de règles sur le sujet. Non, mais pas les règles, elle a deux, elle a 2-3 ficelles sur le PC, il y a certaines ficelles pour essayer d'influer, par exemple, quand elle... Oui, mais ces ficelles ne servent à rien. Elles veulent pas influer. Elle n'a aucun intérêt à influer. Qu'on revoit tout le système, mais effectivement, c'est assez. Quand on, enfin, au début, ça enfin, quand on se rend compte de comment ça marche, ça chamboule, quoi. Enfin, je dis, mais dans quel monde on vit, quoi. C'est comme révéler à un enfant que le Père Noël n'existe pas. Déjà, ça, c'est dur. Mais ça, c'est 10 fois plus se rendre compte comment marche vraiment le système monétaire. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie, ciel ouvert. C'est tout le monde devrait pouvoir la voir, mais on la voit pas parce qu'on est tous comme ça. Le franc, l'or, ça sert quand les systèmes internationaux de paiement sont plantés. Pas par une guerre, pas un truc comme ça. C'est juste une garantie, mais ça n'a pas de lien avec la monnaie, normalement. C'est justement quand les systèmes monétaires ne fonctionnent plus, parce que les gens se sont rendus compte de ces escroqueries, c'était ça, hein, les années 30. Et ben, à ce moment-là, il reste l'or. Mais parce qu'on n'a rien d'autre. L'augmentation du gâteau monétaire, on nous dit, le problème, c'est les intérêts sur les prêts, les crédits. Ouais, c'est un problème, c'est un gros problème. Mais c'est rien à côté de l'influence de la création monétaire. Imaginez qu'on part en 96, par exemple, ici, il y avait une certaine quantité de monnaie, la bleue foncée, et les banques ont créé la même quantité de monnaie. Elles ont doublé la quantité de monnaie. D'accord ? En fait, c'est vrai, si on prend les statistiques de 96 à 2008, l'augmentation de la masse monétaire a été de 126%. D'accord ? On verra la courbe tout à l'heure. Et si déjà à l'époque, la monnaie était partagée en deux, c'est-à-dire qu'il y avait la moitié de la monnaie qui était aux banques et la moitié de la monnaie qui était aux non-banques. Ben, comme elles ont rajouté la moitié, ça veut dire que la part relative de ceux qui ne créent pas de monnaie, est devenu le quart. D'accord ? Mais
Maintenant, en remontant d'un cran, parce qu'elles n'ont pas créé, elles n'ont pas commencé le système en 1996, en remontant à nouveau de 14 ans, je crois que c'est 14 ans, ben, on repart du système à moitié, puis là on est au quart, là on est au huitième, d'accord? Puis maintenant on repart encore en 1960 cette fois-ci, et ben, on part de la moitié, quart, huitième, seizième. Donc en fait, aujourd'hui, les banques ont créé assez de monnaie pour posséder quasiment tout, parce que ça s'est paré, ça n'a pas commencé en 60, hein. Ça, déjà en 45 il y a une belle remise à zéro, mais en Suisse il n'y a pas eu trop la remise à zéro. Donc en fait ça a commencé déjà d'avant. La guerre de 1913 a été financée par la monnaie créée par les banques. C'est là qu'ils ont à la première fois suspendu le rôle de l'or comme empêcheur de tourner en rond pour les banques. Et donc elles ont déjà créé toute la monnaie pour faire la guerre. Enfin bref, la création monétaire, ça dilue le pouvoir de ceux qui travaillent. Exactement, c'est comme les actions. Derrière les banques, il y a des personnes physiques. Hein. Ces concepts-là ne sont pas arrivés tout seuls. C'est des concepts à la fois simples et subtils, oui, mais il faut bien que qui ne sont pas arrivés tout seuls. Hein. Le système est tel qu'il est parce que ça profite quand même à certaines personnes. Donc, ça tout à fait. Profite à personne. Il n'y aurait pas ce système. Après, on pourrait parler. Je vais arrêter. Donc, pour un ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a 70 milliards de francs suisses en pièces et en billets et il y en a 1600 milliards dans les comptes des banques. Pour l'euro, c'est 1000 milliards à peu près de monnaie légale en pièces et en billets, 32 000 milliards dans les comptes des banques. Ça, c'est la courbe de progression. Et au passage, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que le PIB, c'est la courbe verte, telle qu'il est publié. Mais dans le PIB, ils oublient de tenir compte de la perte de valeur de la monnaie due à l'inflation monétaire. Ils tiennent compte de l'inflation des prix, mais pas de l'inflation monétaire. Alors qu'en fait, le PIB réel, si on tient compte du changement de l'unité de mesure, eh bien en fait, la Suisse a perdu 30%. On est en pleine décroissance. Et ça se voit, hein, parce qu'en 1996, il y avait plus d'entreprises en Suisse qu'aujourd'hui. Donc on nous raconte aussi des bêtises pour les statistiques. Et toute la question, c'est qu'est-ce que je veux? Alors, est-ce que je veux créer des petites monnaies locales complémentaires, comme je crois qu'il est en train de s'en créer une nouvelle à Genève? C'est bien, ça change la couleur des billets, ça change le nom qui est écrit sur les billets, mais est-ce que ça change le système? Non, et le problème, c'est bien ce problème de système, c'est pas un problème de... Les selles, oui. Les selles, c'est une création. Non, puisque vous achetez les billets avec de la monnaie officielle. Donc en fait, ça change strictement rien, c'est juste un changement de couleur. La monnaie retourne toujours à son créateur, c'est le boomerang, la monnaie c'est le boomerang parfait. Donc si on veut que la valeur reste en local, il faut que la création de la monnaie soit locale. Pas le choix. Non. Quand on fait des billets en local, ça n'a rien à voir avec créer une monnaie locale. À partir du moment où il faut l'acheter avec la monnaie officielle, ça ne sert à rien. Mais non, on l'achète bien avec son travail. Si le billet est en circulation, c'est que quelqu'un l'a payé, avec la monnaie officielle. Donc en fait, c'est juste un changement de couleur de billet, de nom du billet, mais ça ne change pas du tout le système. C'est comme si on est payé en francs suisses par rapport à être payé en euros, c'est toujours le même système bancaire. Exactement. Exactement. Par contre, un sel, oui, parce qu'un sel, comment il y a une avance pour chaque personne, là c'est une création, une vraie création de monnaie locale. Un sel est une vraie monnaie locale. Pas les billets folkloriques. Officielle. Oui, exactement. Actuellement, c'est le cas. À l'exception des sels, oui. Alors en France, attention, les gens qui ont fait des choses comme ça, ça s'appelle des monnaies locales complémentaires en France, et ils ont réservé le nom pour des billets
c'est même dans la loi française maintenant, des billets qui sont achetés avec les euros. C'est uniquement ça. Les sels, ils ne considèrent pas que c'est de la monnaie locale. Alors que c'est les sels, la vraie monnaie locale, et les billets locaux qu'on achète avec la monnaie officielle, bah ça c'est du lavage. C'est pas du greenwashing, mais presque. Ouais, brainwashing, oui, c'est ça. Et donc moi, bah, qu'est-ce que je veux? C'est que je veux plus croire à la monnaie officielle. Ce que je veux, c'est avoir un vrai système comptable qui fonctionne correctement, dans lequel on respecte la symétrie des transferts de biens. Donc, je veux pas de la monnaie qui soit créée sans que ça se sache. Et c'est pour ça que j'ai inventé le système monétaire équilibré. Et donc, quelle serait la transition entre le système actuel et ça? Parce que comme il y a déjà un déséquilibre à l'heure actuelle, ça a été démontré dans le système actuel, c'est comme ça se pose les gens. On commence en négatif de zéro. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que en fait, c'est le fait de vivre, de respirer, qui génère la richesse. Donc, on commence avec un solde à zéro qui peut être négatif. Alors en fait, le système, il est en cours de programmation. Pour le moment, il est fait au début parce que bah, c'est plus simple pour commencer dans une base de données centrale avec des applications sur téléphone. C'est de la simulation. Et puis quand on aura vraiment établi le protocole, qu'on aura commencé à couper la base de données centrale en deux ou trois bases pour voir exactement de quoi on a besoin, vérifier de quoi on a besoin entre les deux, bah, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à aller vers quelque chose de complet, de vraiment peer-to-peer. En tout cas, les équations sont vraiment peer-to-peer. C'est déjà l'important. Bon, voilà sur le cœur. Je vous remercie de votre attention et toutes vos questions. C'était vraiment intéressant. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Hein. Alors, une chose que je voudrais préciser à la caméra, c'est justement vous allez mettre le site et les suggestions, et puis aussi pour travailler sur le code, parce que j'imagine qu'il y a encore du travail à faire sur le code et sur les simulations. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a un site pour tout ça. Alors, c'est pas encore très bien fait, c'est encore très artisanal. On n'est pas nombreux, on est trois pour le moment à travailler dessus. Le gros avantage du système, c'est comme les équations sont toutes simples, le cœur du système tient il y a 10 procédures. C'est tout pour gérer ça. Donc c'est vraiment une compacité phénoménale. Et donc vous allez voir normalement Alternatiba, normalement vous devriez pouvoir commencer à tester. Mais effectivement, s'il y a des gens qui veulent nous aider là-dessus, venez. On va avoir du travail. Et puis pour finir, dans la vie politique suisse, je signale qu'il y a l'initiative Monnaie Pleine qui est en cours de signature, ils sont à, je crois, plus de 90 000 signatures actuellement. Il faut atteindre les 120 000 pour être sûr avant début décembre. Donc si vous la voyez passer, le site c'est initiative Monnaie Pleine avec des tirets .ch. Vous pouvez télécharger et signer. C'est vraiment là, ça va faire au moins qu'on va parler du problème. On va parler de la création monétaire des banques, puisque le but de cette initiative, c'est d'interdire aux banques de créer de la monnaie légale. Elles pourront toujours créer leur propre monnaie, comme le VIR. Hein, elles auront le droit de créer leur propre monnaie, mais elles n'auront plus le droit de l'appeler comme la monnaie légale, et donc d'induire tous les utilisateurs en erreur. Voilà, ben merci beaucoup. Merci beaucoup de cette initiative.